Why the God who was, who is, and is to come. Béni soit Dieu notre Père, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que son Saint-Nom soit sanctifié et que vienne son règne, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus et que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes dans le monde. Nous allons continuer pour expliquer un certain nombre, expliquer le sens d'un certain nombre de miracles accomplis par notre Seigneur. Donc, dans cette série, aujourd'hui, nous allons voir les crachats du Messie, les crachats de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les crachats, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que plusieurs fois, nous avons vu le Seigneur guérir des hommes en crachant sur eux et en utilisant aussi sa salive. Bien, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 7, à partir du verset 32 jusqu'au verset 35, Marc 7, 32 à 35, il est écrit, « On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Une autre lecture, mesdames, messieurs, dans Marc au chapitre 8, à partir du verset 15 au verset 25, Marc 8, 15 à 25, le Seigneur leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux en disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Le Seigneur, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas? Alors, c'est vrai que lorsqu'on analyse le texte de Marc, le Seigneur qui touche la langue du malade, hein, le sourd, voilà, il touche sa langue avec sa propre salive. Eh bien, on peut se poser la question, mais c'est vrai que les guérisons divines sont une réalité, mais de là à aller jusqu'à à cracher sa salive, voilà, dans la bouche des gens pour les guérir, là, il y a vraiment un pas à faire. Et pourquoi le Seigneur l'a fait? Bien. Maintenant, lorsqu'on revient dans le texte de Marc chapitre 8, là, on voit que le Seigneur, doublement, il a multiplié le pain pour les disciples. Mais il s'est rendu compte à la fin qu'ils n'ont pas compris le sens de cette multiplication du pain. Donc, on peut dire qu'ils sont spirituellement doublement aveugles. Le premier miracle, bon, 5000 personnes ont été guéries. Le Seigneur a espéré que ses disciples allaient comprendre le sens de ce miracle. Une deuxième fois, il nourrit
4000 personnes avec seulement 7 pains, bon, il a espéré que les disciples allaient comprendre le sens de ces miracles. Mais peine perdue, ils n'ont pas compris le sens des miracles. Et le Seigneur les dit, mais vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Bien. Lorsque nous continuons la lecture au verset 22, toujours de Marc chapitre 8, il est dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers le Seigneur, vers Jésus, un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Le Seigneur lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Pourquoi j'ai lié ces deux passages-là? C'est parce que, vous voyez, les disciples, par deux fois, n'ont pas compris le sens de la multiplication du pain par le Seigneur. Et c'est immédiatement, lorsque cet épisode est passé, donc c'est après avoir accompli ce miracle, le Seigneur se rend à Bethsaïda, d'accord? Et là, il essaie d'éviter que sa présence soit connue du plus grand nombre des hommes. Et c'est là que le miracle de guérir cet homme qui est mentionné comme étant aveugle, c'est là que ce miracle-là va avoir lieu. Et cet homme donc qui est aveugle, eh bien, pourquoi il a été guéri? Il a été guéri suite au reproche que le Seigneur a eu à faire à ses disciples après qu'ils aient, par deux fois de suite, vu des miracles, la multiplication du pain. C'est parce que, eh bien, cet homme-là, il représente en fait les disciples eux-mêmes. Donc, le Seigneur voulait montrer à ses disciples qu'ils étaient, aveugles. Donc, lorsque Jésus est arrivé à Bethsaïda, il ne voulait pas que sa présence soit connue. Néanmoins, ceux qui savaient où le trouver amenèrent un aveugle devant lui. Apparemment, l'aveugle était venu de loin pour chercher la guérison. Alors, et ces hommes imploraient le Seigneur de toucher l'homme. Mais le Seigneur ne voulait pas accomplir le miracle en public. Comme on l'a dit, bon, son but n'était pas d'impressionner les hommes, comme souvent nous le faisons aujourd'hui, pour faire des démonstrations de puissance de pouvoir. Bien. Donc, il ne veut pas guérir le malade en public parce qu'il ne veut pas un spectacle. Donc, il prend l'aveugle par la main, il le conduit hors du village à l'abri des regards. Et là, à un endroit discret, il crache dans les yeux, littéralement, il crache dans les yeux de l'homme et après, il pose ses mains sur l'homme. Alors, pourquoi le Seigneur a trouvé bon que c'est en crachant dans les yeux de cet homme, pourquoi il a choisi de cracher dans les yeux de cet homme pour le guérir? Alors que dans plusieurs situations, on a vu le Seigneur même guérir des gens de loin, sans même être physiquement présent, ou des fois, il les a guéris juste en les touchant. Voilà. Mais là, non, il prend la peine de cracher dans les yeux de cet homme. Et après, il lui pose les mains. Et comme j'ai dit, cet homme-là, dans les yeux duquel il vient de cracher, représente ses propres disciples qui n'ont pas compris jusqu'à présent le sens des miracles qu'il accomplit. Alors, donc il fallait, puisque leur cécité est double, leur aveuglement est double, bon, il fallait donc les guérir en deux étapes. Donc, en guérissant ce monsieur, voilà, cet aveugle-là, une première fois, le Seigneur crache sur ses yeux, dans ses yeux, et il lui demande, est-ce que tu vois? Il dit, bon, il voit les gens, mais ils sont comme des arbres. Donc, c'est surdimensionné. Et là, le Seigneur va de nouveau, une deuxième fois, agir sur lui. Et c'est là, maintenant, que l'aveugle a pu voir clairement. Donc, comme je disais, les disciples avaient besoin d'un processus de guérison. Voilà. Un processus de maturation en deux étapes. C'est ce qu'il voulait enseigner. Voilà, à travers
la guérison en deux étapes de cet aveugle. Sinon, il pouvait le guérir du coup. Mais comme il voulait aussi donner un enseignement, donner un message à ses propres disciples pour leur propre maturité, pour leur propre croissance dans la foi, pour leur évolution spirituelle, c'est pourquoi il a choisi de faire comme ça aux yeux de ses propres disciples afin que cela les serve d'enseignement, de révélation, de maturité sur le plan spirituel. Comme quoi, tous les gestes et faits du Seigneur nous sont adressés. Ce sont des messages divins. Ce sont des messages qui sont codés. Et une fois que l'on comprend, on décode le message, on se rend compte que, en fait, l'Écriture s'adresse à nous, personnellement, individuellement et collectivement. L'Écriture s'adresse aux hommes dans tous les siècles, dans tous les âges, dans toutes les générations. Et l'Écriture, si elle est décodée, eh bien, c'est un message qui est nouveau, qui est magnifique. C'est un message qui nous ouvre les yeux sur la manière de faire, la manière d'agir du Dieu vivant. Alors donc, ce sont les disciples-là qui sont représentés par cet aveugle et qui avaient besoin d'un processus de guérison ou de maturité en deux étapes. N'est-ce pas aussi notre cas? Deux fois, nous n'arrivons pas à comprendre les choses de Dieu. Nous n'avons pas de sagesse spirituelle pour comprendre les actions de Dieu, les œuvres du Seigneur, comprendre les Saintes Écritures. Et donc, c'est par étape que le Seigneur va nous guérir. Et comment il nous guérit? Eh bien, il nous guérit en crachant littéralement sa salive en nous. Et nous allons voir par la suite ce que signifie le fait de cracher dans les yeux, le fait d'utiliser la salive, le Messia, le Machia, qui utilise sa salive pour guérir. Nous allons comprendre pourquoi il le fait. Alors, lisons maintenant dans Jean au chapitre 9, verset 1 au verset 8, Jean 9, 1 à 8. Le Seigneur vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Rabbi, ça veut dire maître en hébreu. Rabbi, qui a péché? Rabbi ou Rabbouni? Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Le Seigneur répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelle œuvre de Dieu? La puissance de guérison du Dieu vivant soit manifestée en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, c'est le Seigneur Jésus qui parle, hein? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mm-hmm. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc il est dit, il a fait de la boue, le Seigneur a fait de la boue avec sa salive, il a appliqué sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle a été comme ça, entièrement guéri, lorsqu'il est allé laver ses yeux au réservoir de Siloé. Bien, on peut se poser la question, pourquoi le Seigneur a-t-il appliqué de la boue mêlée de sa salive aux yeux de cet homme pour le guérir? Pourquoi il a choisi de faire comme ça? Pourquoi a-t-il utilisé sa salive? Comme je l'ai dit, lorsque on regarde par exemple le monsieur, le malade qui était à Capernaum, on voit que le Seigneur était à Cana et là il a ordonné, voyez, Capernaum qui était loin de Cana, le Seigneur a ordonné et un malade qui était à Capernaum, eh bien, est entièrement guéri. Donc, il pouvait guérir cet homme-là sans avoir besoin d'appliquer sa salive sur lui. Il a tous les moyens possibles de guérison. Alors, maintenant, on voit aussi que dans le cas du centurion, le Seigneur n'a pas eu besoin d'entrer dans la maison du centurion pour guérir son serviteur. Voilà. De nombreux malades ont été guéris simplement en saisissant ou en touchant le bord de sa robe. Voilà. Voilà. Le maître utilisait généralement des méthodes variées. Voilà, le Seigneur utilisait des méthodes variées pour toucher les malades, où il a imposé les mains, et dans de nombreux cas, les gens, tout le monde, sans exception, étaient guéris. Mais maintenant, mon problème, c'est de savoir pourquoi a-t-il utilisé sa salive. Et c'est sur ça que nous allons maintenant donner l'explication.
Alors, à l'époque du Maître, à l'époque du Seigneur Jésus, nous devons comprendre que les sages en Israël considéraient que la salive d'un fils premier-né d'un homme, la salive d'un fils premier-né d'un homme possédait des qualités médicinales, la capacité de guérir. Voilà le secret. Le secret, c'est que, au temps du Seigneur, les sages se disaient que lorsque un homme était le premier-né, le premier fils de son père, sa salive avait la capacité de guérir. Voilà. Donc, on peut comprendre maintenant d'où vient le message. Donc, il faut comprendre l'arrière-plan, voilà, de la pensée juive pour comprendre pourquoi le Seigneur utilise tel ou tel signe, il agit de telle ou telle manière. Donc, c'est par rapport à la pensée du monde de l'époque qu'il veut utiliser ce que les gens savaient. Voilà, il veut utiliser leur raisonnement, leur compréhension, leur vision du monde pour leur donner, leur transmettre le message divin. Le Seigneur entre dans leur imaginaire, dans leur lexique, dans leur vision de la vie, dans leur théologie, voilà, et c'est là qu'il va leur apporter la lumière de la révélation de la personne divine et de ses œuvres. Dans le Talmud, par exemple, les rabbins présentent la qualité de la salive d'un premier-né comme ayant des propriétés curatives, voilà, et ça même, cette capacité de guérir par la salive d'un premier-né était même un test utilisé pour les rabbins, hein, sur le plan juridique pour prouver qu'un tel est le premier fils de son père et donc il est l'héritier. Donc, au cas où il y a un problème au niveau de l'héritage, alors, et qu'on veut savoir qui est le premier-né, eh bien, c'est à partir de la capacité de guérir de la salive du premier-né qu'on faisait le test pour dire que bon, effectivement, c'est un tel qui est le premier-né et c'est donc lui qui est l'héritier. Voilà. Donc, une tradition veut que la salive du premier-né d'un père guérisse, tout simplement. On a des références pour cela. Et Dieu, le Seigneur Jésus, a dû donc utiliser ce qui se passait à cette époque-là pour transmettre son message. Maintenant, on comprend. On comprend que le Seigneur Jésus lui-même, Adonai Yeshua de Nazareth, il était le premier-né de sa famille. Voilà, il est le premier né de sa famille. Voilà, sa famille, mère Marie, père Joseph et ses petits frères, les Jacques, les Jude, et les Simon, etc. Donc, il était le premier né de sa famille. Donc, déjà, on voit la correspondance, la corrélation avec le fait qu'il utilise la salive. Sur le plan biologique, bon, sur le plan humain, je vais dire, sur le plan humain, il est déjà le premier né de sa famille. Donc, c'est déjà une justification au regard de la pensée de l'époque. On sait aussi qu'il est surtout le premier-né de son Père Céleste. Et le terme premier-né est l'un des noms que le Messie porte dans les Saintes Écritures. Premier-né, alors, lorsque nous lisons, par exemple, dans Exode chapitre 4, verset 22, l'Écriture dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. » Et nous savons que Christ est l'Israël, le premier-né de Dieu le Père. Le vrai Israël, c'est non seulement le peuple qui est né d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mais Christ, le Messie, est lui seul, il représente, voilà, il capitalise et il représente tout le peuple d'Israël. Lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Colossiens 1, 15 à 18 plutôt, Colossiens 1, 15 à 18, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, pourquoi il utilise sa salive? Pour guérir, pour dire à la fois, sur le plan de la création, il est le premier-né de la création, et donc, en tant que premier-né de la création, premier-né de Dieu, eh bien, sa salive a la capacité de guérir, tout homme de cette création. Tout homme qui vient à lui, eh bien, lui, en tant que le premier-né, il est l'héritier de Dieu le Père, et donc, comme tel, il est habilité, et non, il a le pouvoir, il a l'autorité, il a tout ce qu'il faut pour guérir, pour délivrer. Il est l'héritier
de toute la puissance de Dieu le Père. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Voilà, il est encore le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire il est le premier qui soit revenu à la vie après la mort. Il est le premier ressuscité d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, c'est en tant que le premier-né que le Seigneur Jésus-Christ, il va démontrer qu'en tant que premier-né, il est l'héritier de tout. Alors, lorsque nous lisons dans Ésaïe 69, verset 9, il est écrit, Ésaïe 69, verset 9, « Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Je ferai sortir de Juda un héritier de mes montagnes. » Et le Seigneur Jésus, justement, en guérissant les hommes, en utilisant sa salive, et comme guéri par la salive appartenait au premier-né, et cela montrait la dignité du premier-né, donc le Seigneur voulait parler aux hommes de son époque, voilà, pour que ce message aussi nous soit transmis aujourd'hui, afin que nous comprenions qu'il est vraiment le Fils premier-né de Dieu le Père, le Fils unique premier-né de Dieu le Père, et en tant que tel, il est l'héritier, et il est celui qui possède toutes les richesses du Père dans les cieux et sur la terre. Donc, il peut guérir les trônes, les dignités, les dominations, les principautés, les puissances, les pouvoirs. Il peut guérir les hommes, voilà, il peut guérir toutes choses, tout ce qui appartient à la création. Sa parole et sa salive sont créatrices. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. » On voit encore l'expression « qu'il a établi héritier de toutes choses » par lequel il a aussi créé le monde. Et dans Jean chapitre 16, verset 15, le Seigneur, sachant qu'il est l'héritier de tout, il dit « tout ce que le Père a est à moi ». Voilà, donc, l'utilisation des crachats, vous voyez, montre qu'il est le premier-né, premièrement. Deuxièmement, en tant que premier-né, il est aussi l'héritier de tout. Il est l'héritier de Dieu le Père. C'est pourquoi il peut déclarer dans Jean 16, 15, « tout ce que le Père a est à moi ». C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, il faut penser à Israël comme le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu, bon, représenté dans le miracle là, représenté par le miracle des pains, représenté par les 5000 et les 4000 hommes qui ont été nourris par le Seigneur. En tant que le premier-né, il a toutes les richesses de Dieu le Père pour nourrir les hommes, quel que soit leur nombre. Et il faut penser à Christ, Yeshua, à Christ Jésus, comme le bon berger d'Israël, non seulement le bon berger d'Israël, celui qui guérit Israël, mais aussi celui qui est le bon berger des nations, celui qui guérit aussi les nations. Il guérit les nations maintenant, par sa salive, en tant que le premier-né, et il guérira aussi les nations à l'ère de son règne messianique, donc à l'ère du royaume qui vient bientôt. Alors, comme tel, le bon berger qui est Christ, il satisfait dès à présent les besoins de tous les hommes, les besoins de son peuple et de tous ceux qui lui font confiance. Et il le fera davantage dans le monde messianique qui vient bientôt. Dans Ésaïe 40, verset 11, on termine, il est dit, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Le Seigneur conduira ses brebis qui allaitent. Donc, on voit la notion du berger. Le berger qui prend les brebis dans ses bras, il les caresse, voilà, et il les guérit, il prend soin, voilà, il les ennoblit, voilà, il leur donne tout ce qui est nécessaire pour leur bonheur et pour leur maturité. Ainsi donc, mesdames, messieurs, il est important de comprendre que tous les miracles, tous les gestes, tous les actes que le Seigneur a accomplis, ce sont des actes dont le sens est codé. Il nous faut donc comprendre souvent
la pensée du peuple auquel il s'adressait pour pouvoir comprendre le sens des Saintes Écritures pour nous aujourd'hui. Alors, le fait de mépriser la connaissance de l'arrière-plan culturel, de l'arrière-plan de vie des Hébreux, ouais, qui est le peuple du milieu duquel est sorti le Messie, cela nous empêche souvent de comprendre la pensée profonde des auteurs des Saintes Écritures. Et même fois, nous passons à côté de la vraie compréhension du sens des Saintes Écritures et nous disons des choses qui souvent n'ont rien à voir avec la pensée de l'auteur. Et c'est pourquoi il nous faut étudier, il nous faut nous engager à étudier, il nous faut nous engager à nous rapprocher, bien sûr, des sources bibliques et du peuple, le peuple du livre qui est le peuple hébraïque, le peuple hébreu. En s'approchant d'eux, nous allons apprendre des choses qui ne sont pas, que notre culture ne nous donne pas de comprendre dans l'immédiat. Voilà. Or, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, ce que nous avons comme risque, c'est de transposer nos cultures dans les Saintes Écritures et d'en donner des sens qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Donc, ainsi, on comprend que l'Écriture mérite d'être réélue, pas réécrite, mais réélue, réélue, réétudiée, méditée, afin d'en sortir la substance. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur nous aide à grandir et à comprendre l'Écriture parce que l'Écriture, c'est la lumière de la vie. Comme disait le roi David, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et encore, que l'enseignement est une lumière et c'est cette lumière qui nous permet de grandir dans la connaissance de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Mesdames, Messieurs, vous savez que Dieu aime la connaissance. Il aime la connaissance parce que son peuple périt faute de connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, eh bien le peuple de Dieu périt. Que dans sa grâce et dans sa miséricorde, il nous aide à grandir, à mûrir, qu'il nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, pour que nous connaissions les choses les meilleures, que nous puissions continuer de croître jusqu'à l'arrivée de notre glorieux Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui descendra du ciel avec les anges de sa puissance et avec une grande gloire. Et là, en ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Que ces jours viennent bientôt et que tous ceux qui attendent sont le tout glorieux, et bien que le Seigneur leur donne de voir ce jour, même si vous êtes dans votre tombeau ce jour-là, que vous participiez à la première résurrection pour entrer dans le règne de gloire de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui vient bientôt. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs, partout où vous êtes dans le monde, et que la gloire du Christ vivant soit sur vous et sur toutes les nations du monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.